à l'occurrence son excellent Jovenel Moïse, les comprendre lorsque je dis à lui prend ferme décision pour le capable installer le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, dont moi-même c'est président. C'est une démarche importante qui est effectuée par le président de la République. Là. Et démarche ça rentre dans la vision li, pour le capable de prendre en charge les plus nécessiteux, qui ont souffri à tort et à raison de incarcération, de emprisonnement, de détention, sans espoir que yon jou la justice a prononcé li sous sol. Geste ça, son geste qui digne de yon vrai patriote, de yon vrai père de famille, yon père de famille qui conscient de mission li et de rôle li vis-à-vis de son peuple et qui charrie des doli la prétention de mettre fin à une justice inqualifiable qui réduit des êtres humains à leur plus simple expression. L'opérationnalisation de cette structure vitale pour la dignité des détenus et pour la réduction considérable du taux alarmant de la détention préventive prolongée est une décision historique allant dans le sens de la bataille pour la liberté et pour la dignité de la personne. Désormais, avec la mise en marche de cette structure, les inquiétudes des détenus et de leurs familles dues à leur pauvreté seront prises en charge par l'État. La Constitution haïtienne, la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres instruments juridiques dont Haïti est partie, font du droit d'accès à la justice et du droit à la représentation légale un élément central de la vitalité d'un État de droit. Haïti, donc, sous ce leadership responsable, emboîte le pas vers la concrétisation de ses engagements internationaux pris depuis le 10 décembre 1948, date de l'adoption de la DUDH sur l'assistance légale à l'égard des détenus. Je veux, à cette phase, saluer et remercier les efforts appréciables de nos partenaires techniques et financiers dans la mise sur pied de plusieurs bureaux d'assistance légale, baptisés BAL. Le gouvernement continue de compter sur votre appui de taille pour l'implémentation dans tous les départements géographiques du pays des BAL sous le contrôle du Conseil national d'assistance légale. Comme prévu dans la loi du 10 septembre 2018, sur l'assistance légale, le fonds qui sera créé et qui financera les actions du Sénat comprendra, entre autres, les ressources extraordinaires qui sont fournies dans le cadre d'accords de coopération. Son Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, suivant la définition stipulative effectuée par la loi de l'assistance légale, il ne s'agit pas seulement de rendre la justice accessible à tous. L'assistance juridique permettra également d'améliorer la compréhension du droit, de la justice et de ses institutions. Elle contribuera du même coup à prévenir les conflits et à favoriser le règlement des différends.
C'est donc un outil important pour l'avenir du droit et de la justice dans ce pays. C'est également un moyen efficace qui devra permettre à la justice de jouer sa vraie partition dans cette lutte contre les abus, contre les discriminations au sein de l'appareil judiciaire. J'attire l'attention des acteurs judiciaires que le sens de l'assistance qui est accessible à toute personne éligible, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de race ou de toute autre considération, qu'il soit Tiroc, Ti-Claude, Ti-Joseph, Ti-Pierre, Ti-Moïse, Ti-Michel, se trouve dans la gratuité et dans la qualité des représentants mis à la disposition des bénéficiaires. C'est une prise en charge intégrale, allant du début du procès jusqu'à la fin de toute la procédure, conformément à la vision inclusive du président de la République qui manifeste toujours son attachement pour les plus faibles et les plus lents. Enfin, l'installation de ce jour est un pas important dans la bonne direction. Il revient maintenant aux différents acteurs d'harmoniser leurs efforts dans le sens de la prise en compte de la dignité humaine. Le système judiciaire ne doit laisser personne de côté. Il faut condamner ceux qui le méritent et acquitter ceux qui sont innocents. Le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, désormais investi de ses fonctions, se met tout de suite au travail pour le triomphe de la justice et de la liberté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. L'article 136 de la Constitution fait du président de la République le garant des institutions. Donc, c'est dans cette idée, dans cette optique, que le président s'attelle à renforcer les institutions. Et l'installation d'aujourd'hui du Conseil national d'assistance légale rentre dans l'idée de renforcer la justice. Le président de la République, dans ces mots de circonstance. Monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, président du Conseil national d'assistance légale, Madame, Messieurs les membres du Conseil national d'assistance légale, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame, Messieurs les doyens des tribunaux de première instance, Messieurs les commissaires du gouvernement, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général de la Police nationale, Monsieur l'inspecteur général en chef de la Police nationale d'Haïti, Messieurs les membres du commandement de la PNH, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, parlée, écrite et télévisée et en ligne. Le 9 septembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, j'ai pris un arrêté nommant les membres du Conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, CNAO. Cette décision traduit ma volonté de permettre à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens d'accéder à la justice, indépendamment de leur situation économique ou financière. Car renforcer pour toutes et tous le droit d'accès à la justice est une obligation de l'État envers ses citoyens.
C'est un devoir de la nation vis-à-vis des plus faibles, des plus vulnérables et des plus démunis. Nos frères et sœurs doivent jouir pleinement d'une assistance qualifiée d'avocat, ce sans aucune contrainte et sans aucune considération due à leur précarité. L'installation aujourd'hui du conseil d'administration du Sénat dit l'intérêt que mon administration porte au laisser pour compte. Celles et ceux qui sont abandonnés à leur sort en prison uniquement parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques nécessaires au traitement de leur dossier. L'installation de ce conseil d'administration est un acte de bienveillance judiciaire. C'est une nouvelle ère, un nouveau départ, un nouveau soleil qui se lève pour ces oubliés de la République, pour mes frères et sœurs qui croupissent dans nos prisons à cause de leur pauvreté. L'État s'engage à prendre en charge toutes les dépenses juridiques et judiciaires de toute personne répondant aux critères définis par la loi sur l'assistance légale. Le combat contre la discrimination, le combat pour l'égalité devant la justice est autant celui de l'État que celui de chaque citoyen, chaque citoyenne. Compromettre ou léser la liberté d'une personne qui ne peut pas se défendre dignement par le fait de sa mauvaise situation économique est un acte discriminatoire que la société, par l'entraide, par la mise en commun, par fraternité, doit éradiquer. La pauvreté ne doit plus être un motif de condamnation sans jugement. Le système judiciaire doit cesser d'être le bourreau des détenus. Laisser croupir un être humain pendant 10 ans et plus dans une cellule, sans aucun jugement préalable, sans aucune condamnation, est un acte grave qui viole la dignité humaine. Je tiens à rappeler à tous les acteurs du système judiciaire, qu'ils soient huissiers, greffiers, parquetiers, policiers, juges de siège, juges d'instruction, avocats et autres, que la dignité humaine est le fondement de tous les autres droits. Dans les dispositions préambulaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les États civilisés avaient affirmé que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Cette structure que je rends opérationnelle aujourd'hui permettra à l'État de combattre la détention préventive prolongée qui est une injustice criante et représente une atteinte grave aux droits fondamentaux. Cette assistance légale favorisera et encouragera le respect de la liberté individuelle et surtout de la dignité humaine. Le Conseil national d'assistance légale est pour l'État cet outil important qui contribuera à désengorger les prisons. Il représente aussi la matérialisation de notre vision axée sur l'humain, sur les plus vulnérables et sur les marginalisés. Il est important de souligner que l'article 9 de la loi sur l'assistance légale consacre la gratuité de l'assistance juridique. Les assistés sont ainsi dispensés de tout droit de greffe, d'enregistrement, de timbre et de tout autre frais de justice généralement quelconque. D'autre part, dans le cadre de notre politique de prise en charge des mineurs, l'article 16 de la même loi accorde d'office l'assistance judiciaire à toute personne mineure en conflit avec la loi, sans exigence de preuve de situation économique ou financière précaire. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration du Sénat, la tâche qui vous incombe est avant
tout citoyen. La citoyenneté exige un haut sens de civisme et de fraternité. C'est dans cet esprit que le législateur, au terme de l'article 24 de la loi sur l'assistance légale, interdit toute rémunération pour ce travail patriotique. Il vous revient de construire les structures fondationnelles du Sénat et d'assurer sa pérennisation. Il est urgent de prendre toutes les dispositions afin de rendre disponible le fonds d'assistance légale prévu à l'article 70 de cette loi, lequel fonds, provenant de plusieurs sources préalablement identifiées, permettra le fonctionnement régulier des services d'assistance légale. Dans le prochain budget rectifié, j'instruis le ministre des Finances de prendre toutes les mesures pour alimenter ce fonds. De ce fonds dépend, messieurs les membres du conseil d'administration, l'efficacité des actions urgentes que vous êtes instruits d'entamer incessamment. J'appelle à la convergence des forces, à la réunion des moyens, à la solidarité entre les structures chargées du bon fonctionnement de la justice. Servir la République est un honneur et un acte de dignité. De vous tous et de chacun de vous dépend la cohésion de la nation et sa survie.